Comment faire un logo professionnel avec Canva, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Et oui, confinement oblige, on se retrouve dans mon bureau comme avant. J'en profite pour faire un petit peu de ménage, un petit peu de rangement. Vous avez vu, j'ai quand même changé des choses. Mais voilà, on suit tout ce qui se passe au niveau pandémie et on respecte bien le confinement. Donc ça m'a donné l'idée de vous faire toute une série de vidéos sur Canva. Alors tout d'abord, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding et en inbound marketing. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à Internet. La première chose que vous devez comprendre, si aujourd'hui vous avez une activité en ligne et qu'elle ne fonctionne pas, c'est ou que vous allez lancer votre activité, c'est que vous n'avez pas assez travaillé votre personal branding. Le personal branding, c'est vraiment la seule et unique chose qui va vous permettre de vous différencier de l'ensemble de vos concurrents, mais également d'impacter vos prospects et vos futurs clients. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous... Allez télécharger la petite vidéo. Non, pas du tout. Je vous invite à rejoindre la formation Ambition Web, qui est une formation, c'est un pack en fait de 5 formations. Je vous fais le petit jingle là, comme ça vous me dites si vous voulez ou pas, ça dure quelques secondes. Voilà, vous avez un lien sous la vidéo pour rejoindre Ambition Web, c'est 100% gratuit. En fait, ce sont 5 aimants à clients que j'avais avant, que j'ai remis à jour au mois de mars et qui sont disponibles pour vous en un seul endroit plutôt que de les avoir éparpillés un petit peu à droite et à gauche. Sujet d'aujourd'hui, Canva. Il y a à peu près un mois, j'ai été contactée par Canva, par la société Canva pour un partenariat. Mon premier en fait. Donc puisqu'ils ont déjà vu des vidéos que j'ai faites sur Canva justement et qu'ils ont beaucoup aimé le concept, ils m'ont donc proposé de faire d'autres vidéos Canva. Le plus que vous avez lorsque vous allez cliquer sur... Alors vous êtes peut-être déjà sur Canva, pour vous ça change rien. Ce qu'on va voir là dans tous les tutos, parce que moi je suis à la version payante de Canva qui a même pas 12€ par mois. Lorsque vous allez cliquer sur le lien qui est dessous, vous allez avoir droit à 45 jours d'essai Canva gratuit. Entièrement, tout ce que vous pouvez avoir sur Canva, vous allez l'avoir gratuit pendant 45 jours. Ça peut vraiment vous aider à lancer une activité puisque quand on fait le personal branding, une partie du personal branding, eh bien, c'est le branding. Le branding, c'est l'ensemble des éléments visuels qui vont constituer votre image en ligne. Et donc, c'est vraiment très très important d'avoir des outils professionnels lorsqu'on veut se différencier ou lancer son activité. Aujourd'hui, on va donc voir comment créer un logo Canva. Alors, j'ai vraiment hésité à savoir si je vous faisais des choses assez éclectiques ou si j'avais un fil rouge, c'est-à-dire... Là, je vous ai prévu franchement une quinzaine de vidéos sur Canva justement pour suivre ce fil rouge. Donc, vous allez avoir un logo, vous allez avoir des couvertures Facebook, couverture Instagram, enfin couverture, l'avatar Instagram, des publications Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous allez avoir comment on va faire un CV parce que ça aussi, c'est hyper important lorsque vous travaillez avec d'autres personnes, aussi bien en formation que de manière indépendante. On va créer des flyers, on va créer des stories Instagram, cartes de visite, on va créer des factures. Avec Canva, on va créer des papiers en tête, des fonds d'écran, parce que moi j'aime beaucoup avoir des fonds d'écran qui sont assez parlants. Vous l'avez peut-être déjà vu actuellement, j'ai un fond d'écran qui est la mer avec une vue dégagée. J'adore avoir des fonds d'écran spécifiques, mais c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir offrir à vos clients par la suite. Je vous expliquerai ça en temps, en l'heure. Temps et en heure. On va voir également comment faire... Donc des fonds d'écran, on va faire des aimants à clients, c'est-à-dire on va faire des e-books, des guides en ligne, je vais vous expliquer comment faire ça. On va également faire des couvertures de live, et je ne sais même plus ce que j'ai marqué, et des vidéos, oui, parce que Canva permet aujourd'hui de faire des montages vidéo, des choses très très attractives. Donc on va voir tout ça, et j'ai encore plein d'autres idées. Là le but vraiment c'est de commencer sur ça. Et voilà, donc le fil rouge de ce Canva, puisque comme ça vous
aussi vous donner une idée de comment lancer un projet de façon globale. J'hésitais entre deux, je dois créer un site internet spécifique, social en fait, et je dois créer une nouvelle formation au mois de septembre. Eh bien, on va partir justement sur cette nouvelle formation au mois de septembre qui est un petit peu atypique, mais qui répond en fait à un de mes besoins, puisque j'ai beaucoup de mal à trouver des collaborateurs, des personnes pour travailler avec moi qui sont compétentes, présentes et qui ont... Enfin voilà, j'ai beaucoup de mal à ça. Donc je crée à partir du mois de septembre une formation complète sur plusieurs mois qui va être agréée OPCO, CPF, Pôle emploi, etc. pour devenir assistante numérique. Alors je sais qu'il en existe déjà plein, mais pas comme la mienne, puisque moi je suis pas un centre de formation qui crée une formation, moi je suis une professionnelle qui a besoin d'experts pour l'aider. Donc on va travailler en fait sur tout ce fil rouge, et qui est donc créer une formation en ligne avec tous les éléments que ça peut constituer, c'est-à-dire aussi bien toute la page de site internet, la page de promotion, le programme, le logo. Vraiment, on va tout voir justement sur le lancement de cette formation, même si elle n'a lieu qu'au mois de septembre. On va de toute façon commencer la promotion dès le mois de juillet. Donc voilà. Bien, on va commencer, on va directement passer sur mon ordinateur pour créer ce premier logo. Et je vais vous expliquer. Alors normalement vous avez déjà une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours en live pour vous expliquer tout ce qu'il y a autour de Canva, en fait vous présenter le tableau de bord on va dire de Canva. Là on va vraiment voir uniquement ce qui est spécifique à la création de son logo. Je vais vous expliquer les deux types de logos qui vont être essentiels pour vous, et voilà en fait. Bon, on passe directement sur mon ordinateur. Bien, on est donc sur mon ordinateur pour vous montrer comment créer un logo avec Canva. Allez, on y va. Donc là, vous avez déjà une vidéo, je vous l'ai déjà dit, hein, pour voir comment tout ce que vous pouvez avoir sur Canva. Là, on va vraiment être focus. Donc, vous allez tout simplement dans la barre de recherche et vous allez taper « logo ». Et là, vous allez tout simplement cliquer ici sur logo. Donc, en général, un logo sur Canva, c'est 500 par 500 pixels. Vous allez voir que moi, je travaille avec deux types de logos. On va d'abord créer le premier et je vous montrerai ensuite comment créer le deuxième. Alors, je pars systématiquement pour ma part d'un logo vierge, d'un élément vierge, vous le verrez. Mais vous avez, si vous le désirez, ici, pléthore d'éléments qui sont déjà prêts. Ou si vous le désirez, vous n'avez plus qu'à changer. Ben, ce qu'on va faire, on va pas partir sur une page blanche pour commencer. On va partir sur celui-ci que je trouve très joli, ou même sur celui-ci qui est peut-être un peu plus travaillé. Est-ce que j'aurai un truc un peu nouveau? Voilà, vous avez vraiment vraiment beaucoup d'idées. Alors vous verrez que je suis assez longue pour faire pour trouver des idées, parce que je suis, je souffre du syndrome de la perfection, on va dire. Allez, on va prendre celui-ci. Non, un truc un peu plus travaillé. On va revenir sur celui que j'ai vu en haut. Vous allez voir qu'on va commencer dans un premier temps pour faire un truc assez travaillé. Et ensuite, je repartirai sur un élément vierge pour vous montrer. Allez, on va prendre celui-ci. On peut bien trancher à un moment. Donc nous on part, je vous l'ai dit, sur la création d'une formation en ligne, mais vous auriez la possibilité, voyez, vous créez votre logo, et bien ici en imaginant que vous êtes prestataire de... Alors ici on va pas regarder tout, hein, je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. Ici tout est assemblé, donc première chose que je fais, moi je dégroupe, comme ça on va avoir tous les éléments. Ici vous avez donc un élément, un icône. Ici, vous avez un texte et ici, vous avez un texte. C'est à peu près comme ça que sont constitués les logos en général. Vous allez avoir ici un logo, un élément, un visuel. Ici, donc votre nom et ici, une petite description. On va très très rapidement faire. Imaginons que vous soyez... vous allez donc dans éléments pour remplacer celui-ci. On va la remplacer. Et ici, vous allez taper, on va dire par exemple... on va dire que vous êtes yoga. Allez, professeur de yoga. Donc, vous tapez ici dans les éléments yoga, pas yogo, hein, yoga. Vous allez choisir un élément qui vous correspond, mais qui peut être très facilement réduit. Ça c'est toujours le problème. Bah, tenez, celui-là, il me plaît bien, en fait. Voilà, on va garder celui-ci. Donc, déjà, on va changer le fond, on va le faire en blanc. Pourquoi? Parce que les logos, moi, je les fais toujours sur fond transparent, et c'est mieux quand c'est sur fond blanc. Donc, je ne sais pas pour... Ah oui, parce que je suis avec la souris. Voilà. Donc là, en fait, je déplace ceci.
On va choisir pour ce logo bateau, hop, une couleur. Donc vous cliquez une fois dessus. Bon, celui-là, il ne change pas de couleur. Alors ça, c'est très ennuyeux quand il ne change pas de couleur, ça arrive. Donc on va en choisir un qui va changer de couleur, bah, celui-ci. Afficher. Et on a dit qu'on prenait. Oh là là, je vous dis, je suis très longue à chaque fois, j'ai du mal à choisir en 2 secondes et demie. J'aime bien ce lotus, est-ce qu'il est personnalisable? Bah oui, pourquoi il me dit que. Voilà, je ne sais pas pourquoi il bug aujourd'hui. Donc vous avez plusieurs types de logos, vous avez des logos comme ça qui sont uniquement d'une seule couleur. Dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour modifier la couleur. Pour du gant, on pourrait prendre par exemple du rose ou du violet, c'est encore mieux. Vous avez également des éléments qui sont avec plusieurs couleurs. Si je retape yoga, décidément. Par exemple, celui-ci, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Donc, je vais vous enlever ça. Ça, c'est une barre de cashback. Vous avez une vidéo qui vous explique comment gagner de l'argent quand vous faites des achats. Elle est sur ma chaîne YouTube parce que moi, bah, justement, c'est ce que je fais. Donc, par exemple, si on partirait sur ce type de logo, si on voulait tout simplement changer les couleurs, bah, tout simplement, vous partez ici. Imaginons qu'on s'adresse à une personne, voilà, qui est un peu plus mate de peau. On va faire ça ici. On va aller rechercher une couleur un peu plus foncée aussi. Voilà. On va aller changer la couleur des cheveux. Par exemple, on va partir voilà, sur du bien noir-noir. Et on va changer également. Donc ça, je ne sais pas où il est, ce orange, mais il doit y être quelque part. Des fois, il y a des effets. On va le laisser. Et on va aller changer la couleur de la tenue. Bah, par exemple, pour du violet. Vous voyez, c'est très très facile d'adapter un logo. Ici ensuite, vous auriez plus qu'à mettre par exemple Yoga Passion. On change, on prend la bonne couleur. Bien évidemment, là je vous montre ça en 2 secondes, mais on va le faire pour moi. Ici par exemple, vous changez la police. Vous n'avez qu'à cliquer ici, on va chercher une police qui pourrait bien s'adapter au yoga. Moi j'adore mélanger une police cyrillique en haut et en général une police. Ah c'est génial, ça j'aime beaucoup. Une police cyrillique en haut. Alors pour changer la taille, soit vous agrandissez le logo, soit vous changez la taille ici. Cliquez, vous mettez 50, hop. Et ici, vous avez Yoga Passion, le yoga pour les. Débutants. Allez. Donc là, par exemple, vous voyez, on a fait un logo, on a mis 2 couleurs. Ce qu'on pourrait faire aussi, on va voir si c'est possible. On va prendre un. Alors ça, je vous montrerai après. Vous voyez, je l'ai dupliqué tout simplement. CTRL-C, CTRL-V, vous faites clic droit, copier et ensuite coller. Si on faisait par exemple que celui du dessous, il soit de ce orange là, que celui du dessus, il reste violet et ensuite on va légèrement les superposer. Voyez, ça fait un petit effet un peu sympathique. Voilà, et là on a créé un logo en 2 secondes. Alors, chose que vous devez absolument, absolument faire attention, c'est que si vous faites un logo exactement comme Canva vous dit, eh bien ça va être beaucoup trop petit. Si vous le faites, en fait, si vous enregistrez cette image, quand vous allez coller ce logo quelque part, vous allez avoir tout cet espace au-dessus, tout cet espace au-dessous et tout cet espace sur les côtés. Donc, moi, je vais vous inviter à faire 2 types de logos. On va aller voir avec mon logo à moi. On va retravailler justement sur ma formation. Et parce que là, on a modifié un logo existant. Maintenant, on va créer mon logo de A à Z, parce que c'est quand même le but. Je vais vous expliquer les détails. Ça ne sert à rien qu'on fasse des choses 10 fois. Donc ici, je vais tout simplement rajouter une page. Je vous invite à faire ça si vous avez des modifications à faire. Nous, on veut une formation qui sera donc à destination donc c'est pour être assistante numérique. Donc si je mets assistante, qu'est-ce que je vais avoir? Alors ça, je les avais déjà vus, ceux-là. Alors moi, je colle, hein, vous voyez, je clique une seule fois dessus. Et si je fais numérique, après, ça commence à être trop, trop complexe. Alors vous en avez des dizaines. C'est vrai que moi, sur cette formation-là, je voudrais quelque chose de très simple. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Je regarde quand même. Ok.
Non, il n'y a vraiment rien. Moi, je vous dis, là, je veux vraiment quelque chose de très simple. J'ai déjà mon logo qui est la petite dame avec la tête carrée qu'on va sûrement positionner à un moment. Donc, on va garder dans un premier temps ce logo-là. Allez, remonte. Très bien. Maintenant, on va aller chercher ici dans le texte. On va aller chercher une petite composition existante. Donc, ici, vous avez quelques compositions existantes. Mais des trucs un peu flashy, voilà. Moi, je préfère un truc un peu classique comme ça. Comme je vous le dis, j'ai déjà mes polices à moi, celles que j'utilise, mais on va prendre celle-ci par exemple. Vous avez juste à cliquer dessus et ça apparaît directement. Donc, ici, alors sincèrement, j'ai en dégroupe, hein, comme d'habitude, je n'ai même pas encore réfléchi au nom de cette formation. Donc, ça, cet élément, on va laisser au-dessus, cet élément, on va laisser dessous. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, par exemple, c'est lancer une entreprise de chez vous. Donc ça pourrait être pas mal. On va le positionner au milieu. Puisque moi, le but, c'est vraiment de rendre idéalement, à la base, j'avais réfléchi à cette formation pour des mamans, des parents solo qui sont obligés de rester alors chez eux. Et la seule solution, vraiment, quand on est parent solo pour gagner correctement sa vie, pouvoir gérer correctement ses enfants, bah, c'est de monter sa boîte. Et voilà pourquoi j'avais, à la base, il y a très très longtemps, réfléchi à cette formation qui était à la base à destination, je vous dis, des parents solo. Aujourd'hui, on va voir comment on l'a réfléchi. Donc là, alors, sachant qu'il y a plein de choses qui existent dans les noms, il faut trouver une formation qui soit simple. Donc on pourrait tout simplement marquer assistant digital. On va le centrer aussi. Ce qu'on pourrait prendre, c'est celui-ci et marquer ici devenez. On va tout repositionner, hein, dans les textes. Alors par contre, lancer votre entreprise, ça risque de poser problème si on passe par Pôle emploi. Une expertise au service des entreprises. Va laisser ça comme ça me plaît pas trop, mais ça, on va le voir. Donc ça, par contre, on va le réduire, on va peut-être le mettre en... Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument que le logo, ici, quand on est en carré, prenne toute la page. Puisque c'est en gros le type de logo que vous allez avoir. Je recherche. Voilà, derrière vos cartes de visite. Donc, il faut absolument qu'il soit très très grand. Donc, ça, c'est le centre de formation que j'ai. J'ai également la même chose pour ma société, EasyCatala. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il faut que le logo soit très très grand. Donc, ici, il faut absolument que ça prenne toute la taille. Donc, ce qui doit prendre en premier toute la taille, ben, c'est le texte, ici. Donc, le nom de la société, enfin la dénomination ici. Donc on va faire comme ça. Et ça, vous allez l'agrandir au plus possible. Donc vous avez juste à tirer dessus. Vous positionnez le bleu bien collé. Vous pouvez même un petit peu dépasser si vous voulez. D'accord? Il faut vraiment que les lettres frôlent. Ensuite, ici, hop, on va le mettre ici. Oula, il y a une faute d'orthographe. Hop. Très bien. Une expertise expert. On va marquer plutôt la polyvalence. La polyvalence au service des entreprises. Alors, mon orthographe, je suis dyslexique, donc je ne m'en cache plus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'en avais un peu honte. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai un petit logiciel qui va me permettre de voir normalement cette faute-là. Hop, et sinon, on va tout simplement, de façon polyvalentielle, voilà, ici, vous voyez, c'est une petite application que j'ai ici, vous voyez, qui s'appelle Scriber. Avant, c'était, comment ça s'appelait avant? Monotype Cordial. Et donc, grâce à ça me permet de faire des corrections sur tout et d'être beaucoup plus sûr. Bien, donc on a assistant digital, la polyvalence au service des entreprises. Je trouve ça plutôt pas mal. Ici, pareil, on va le centrer. Quand vous vous déplacez ici sur Canva, vous avez la possibilité de mettre ce logo au milieu, vous voyez. On va le réduire. Voilà, on va faire ça comme ça comme ça.
Et ça, on va bien, bien, bien le grandir. Pourquoi? Parce que je vous dis que ça doit être en grand. Et puis, on va le centrer. Vous voyez, il y a un trait au milieu quand on est centré. Maintenant, on va le personnaliser avec mes couleurs. D'accord? Ici. Bon, moi, mes couleurs, vous les connaissez sûrement. C'est mon jaune et du noir. Donc, ce qu'on va faire ici, on va laisser assistant en jaune aussi. Et on va laisser tout le reste en noir. Voilà. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai un logo. Ce logo, il est bah, pour moi plutôt pas mal, je trouve. Je vais ici tout simplement, vous avez tout à l'heure, on l'a dégroupé. Bah, là, on va tout simplement le grouper. Ce qui fait qu'ensuite, je peux déplacer l'ensemble des éléments sans aucun souci. Lorsque vous allez avoir besoin de ce logo pour l'utiliser sous d'autres supports, c'est très, 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 très simple. Vous allez ici dans Téléchargement, vous allez ici dans PNG. PNG ici, d'accord? Vous faites arrière-plan transparent, vous allez sur l'élément que vous voulez télécharger et vous faites télécharger. Tout simplement, ce logo va venir s'installer dans vos éléments. Alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est... Non, on ne veut pas le rédiger. Voilà, il vient de se télécharger. Et pour vous montrer qu'il est sous fond transparent, on va rajouter un élément ici, rajouter une page. On va mettre un fond d'une couleur quelconque. Et on va aller tout simplement télécharger, re-aller chercher ce logo qu'on va pouvoir ensuite positionner sur d'autres éléments. Donc chercher appareil. Appareil, ici, vous venez dans images. Images, non, pardon, vous venez dans téléchargement. Vous cliquez sur votre logo, vous ouvrez. Vous voyez ici, il est sous fond noir parce que justement, il est transparent. Et quand on clique ici, ben, il est, vous voyez, à la bonne taille. Et si on change le fond, eh bien, le logo sera toujours de la même façon. Alors ça, c'est ce que vous allez mettre sur les documents d'en-tête. C'est également ce que vous allez mettre lorsque vous allez faire des cartes de visite, etc. Par contre, si vous voulez que ce logo soit sur votre site internet, vous ne pouvez pas le faire de cette façon parce que ça va être trop petit. Vous voyez, un bandeau, c'est vraiment tout petit sur un site internet, le logo. Si vous mettez une image comme ça et que vous mettez le texte à côté, eh bien, ça va être illisible. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour faire un logo qui doit être sur votre site internet. On va retourner ici sur Canva. On va choisir complètement un autre élément qui n'est pas fait pour ça, mais que moi j'utilise pour ça. Hop, on va regarder. Je ne sais pas si on va pouvoir le trouver comme ça, parce que des fois j'oublie le nom auquel Canva le met. C'est tout simplement un élément qui est long et très long. Sinon, on ira chercher un de mes éléments à moi, je vous donnerai les tâches, les dimensions. Donc là, on va faire un bandeau. En fait, c'est un bandeau publicitaire. Normalement, on va taper bandeau, on va voir s'il nous le trouve. Publicitaire. Non, 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 publicité Facebook. Voilà, publicité rectangulaire. Est-ce que ça pourrait être bon? On va plutôt faire ça. La taille est... Ah non, je me suis trompée. Mince, c'est pas celui-là que je voulais. Ah si, apparemment il a pris. Je crois qu'il était remonté, qu'il m'avait pris la publicité. On va attendre qu'il s'affiche pour l'instant. Je vais prendre un peu de thé. Voyez, on va prendre ce type de bandeau-là. Il est un peu petit d'ailleurs. Je m'hydrate la gorge. Ensuite, donc là, vous voyez, c'est trop petit. C'est pas ce que je voulais. Donc, on va revenir en arrière. Non, quoi qu'on aurait pu le redimensionner, tout simplement. Faudrait que je vous donne les dimensions que moi j'utilise. Si je vais, on va mettre juste bandeau, on va voir ce qu'il me propose. Dyslexie des doigts. Alors, pas du tout. Ça rame parce que j'enregistre en même temps.
Bon, on va prendre celui-ci qu'on avait tout à l'heure, on va juste l'agrandir. Là, c'est pareil, on va prendre un bandeau qui est vierge, tout nu. Donc, vous voyez, là, sincèrement, c'est trop petit. Donc, ce que vous allez faire tout simplement, vous allez redimensionner ici. Ici, il y a marqué 90. On va le doubler, en fait. Ça devrait être bon. Non, pas encore. Quoi que si. Si, si, c'est très bien. Donc, voilà. On va maintenant aller chercher vos éléments ici. Donc, on va le dégrouper. Très bien. On va surligner tout. Vous faites sur votre ordinateur CTRL-C, vous copiez. Ensuite, vous revenez ici. Sur ce bandeau et vous faites CTRL V ou coller tout simplement. Voilà. Et là, vous avez tous vos éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est repositionner de manière à ce que ça rentre en longueur. Numéro 1, votre image, vous allez la mettre bien sur le bord comme ça. Et vous allez l'agrandir jusqu'à ce qu'elle touche le bord. Très bien. Ensuite, vous allez prendre, séparer tous vos textes. Hop, vous allez mettre celui-ci tout en haut. On va repositionner tout. Hein. Celui-ci, donc vous allez, le principal, vous allez l'agrandir, hop, jusqu'à ce qu'il prenne idéalement toute la place. Donc faites des petits tests, en fonction de la police, etc. Ça change beaucoup. Parce que là, il faut vraiment que ce soit marqué en grand hein, sur votre site. C'est vraiment ce qui doit être marqué en plus grand. Là, on y est presque. On va mettre 14. Non, 74, pardon. Bien. Donc, si je décale celui-ci un chouïa et celui-ci un chouïa, voilà. On va peut-être le réduire un peu. Voilà. Là, pour moi, c'est parfait. Très bien. Pareil, on fait celui-ci, on l'agrandit. Donc là, on va le mettre peut-être en 30. Voilà, hop, on va laisser au milieu, ici. Pareil, celui-ci, on va le remettre en 30. Ce qu'il faut absolument, c'est que vous compreniez que ça doit toujours être la même taille, la même police sur tout votre logo, tout ce que vous avez défini au début, ça doit être de la même police. La police, c'est le style hein, de l'écriture. Donc, voyez, on va le mettre bien comme ça. Et là, pareil, vous avez un beau logo que vous allez pouvoir déplacer en fonction des éléments, en fonction de vos différents éléments. On va systématiquement garder ça. Vous voyez, on aurait pu même pousser le truc plus loin et mettre la première lettre en noir. Ah, ça, c'est... Ouais, c'est pas mal. Et qu'un A, j'utilise A plus. Donc dans ce cas-là, on revient ici. Là, c'est pareil. Vous n'avez plus qu'à... Hop. La mettre en noir. Voilà. Est-ce que c'est plus joli? Bon voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez avec le A noir ou avec le A jaune. En tout cas, l'ensemble des éléments qu'on va constituer seront pour justement cette formation, donc pour ce produit-là. Donc pour vous, c'est pareil. Soit vous allez travailler un produit, soit vous allez travailler votre entreprise de façon générale. Moi, c'est un produit qui est dans mon centre de formation, mais que je m'occupe personnellement parce que c'est moi qui vais le créer. Voilà, on a fini avec ce logo.
Ah, et j'ai juste oublié de vous dire, pensez que, pareil, quand vous allez télécharger, vous faites télécharger ici en PNG, fond transparent, et vous sélectionnez l'image qui vous convient pour que ce soit transparent et positionnable sur l'ensemble de vos éléments. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à passer à l'action pour vous afin de justement vous aussi créer des logos qui sont impactants et d'avoir un ensemble très très cohérent dans votre communication, ce qui fait que les gens vont vous identifier à coup sûr. On se retrouve donc très 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 rapidement parce que je vous ai prévu une vidéo par jour sur les jours qui arrivent, donc une vidéo par jour sur Canva. Donc normalement on se retrouve demain pour voir comment faire une couverture Facebook, puisqu'en général vous commencez souvent par une couverture Facebook et puis ensuite on continuera avec le reste. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, bah faites un pouce, un like. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires dessous la vidéo, j'y réponds, j'essaye en tout cas. Et puis si vous souhaitez d'autres tutos de Canva, surtout vous n'hésitez pas à me les mettre dessous, ça me donne des idées parce qu'avec Canva on peut vraiment vraiment faire beaucoup de choses et je veux pas non plus me perdre dans des choses qui vont absolument pas vous intéresser. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous, ne changez pas, soyez juste plus visible.